Allez, salut tout le monde, c'est Folojo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Face Commentary sur un nouveau Let's Play, ou plutôt pour un nouveau Let's Play, parce que sur un nouveau Let's Play, bah si, c'est, on peut dire les deux. Bref, trêve de plaisanterie, nous allons jouer à Heavy Rain, qui est un peu comme Life is Strange, si vous connaissez Life is Strange, et comme aussi Beyond Two Souls. D'ailleurs, je vais vous montrer le jeu qui est là, voilà, hein. J'ai pris la compilation évidemment, elle était à 20 euros à Auchan, oui, pour ceux qui voudraient. Après, je ne sais pas, hein, peut-être que ça a dû baisser, peut-être que ça a dû augmenter, je ne sais pas. Mais en tout cas, à Auchan, dans la galerie marchande, non, dans le magasin, enfin, vous pourrez trouver, eh bien, Heavy Rain et Beyond Two Souls. Bref, Heavy Rain, c'est un jeu qui a été fait par Quantic Dream. Je suis désolé si je regarde le portable, c'est que je ne sais pas du tout quand ça a été fait. Ça a été fait en février 2010 et ça a été fait par Quantic Dreams et c'est sorti sur la PS3 exclusivement et pas sur d'autres supports. C'est pour ça qu'ils ont ressorti sur le PS4 parce que PS3, PS4, ça fait suite et donc du coup, voilà, ils ont ressorti sur PS4. Bref, c'est un jeu bien évidemment de type choix multiple, hein, je pense que ça on peut le dire évidemment. Alors, du coup, on va commencer ces Heavy Rain. Ça va durer par épisode 20-30 minutes, voire plus si jamais, mais vaut mieux pas. Et voilà, ça va être plutôt sympathique. Je sais pas combien de temps va durer le jeu. Peut-être qu'il va être très court ou peut-être très long, je ne sais pas. Alors, vous voyez, j'ai changé ma caméra. Enfin, putain, j'ai mis des éclairages et j'ai un fond vert. Et donc, du coup, maintenant, vous me voyez en train de me gesticuler les bras comme ça, sans rien du tout à côté. Alors, il se peut que vous voyez pas mes bras parce que mon fond vert est plus petit, il faudrait que je l'agrandisse et il faudrait que j'ai un meilleur éclairage, mais voilà. Bon, bref, on fait avec les moyens du bord. Bref, je parle beaucoup pour rien dire et on va tout de suite se lancer dans Heavy Rain. Donc, on va changer d'abord le sous-titre. On va le mettre en français, on peut mettre en audio en anglais. Ah, oui, d'accord, putain. Anglais. On va mettre en français parce que je sais que. Bon, voilà. On va mettre en français parce que voilà, on est French. Mais ce qui serait bien aussi, ce serait de la mettre en VO, mais on va mettre en anglais, en français parce que voilà. C'est très bien et on va faire suivant. Alors, j'ai vu que Heavy Rain a pour réputation d'être un jeu plutôt sympathique, plutôt cool, avec une bonne histoire et de bonnes émotions. Donc, je ne sais pas, on va tester. Et évidemment, on va tester aussi Beyond Two Souls après Heavy Rain, après l'avoir fait évidemment. Et on va voir ce que ça donne évidemment. Et comme ça a été fait par Quantic Dreams, je pense que ça va être que du bon. Bref, let's go! C'est parti. Régler le gamma. Le gamma il est très bien comme il était. On va continuer. La difficulté. Je joue très souvent aux jeux vidéo. Je connais parfaitement la manette sans fil. Je suis un joueur occasionnel. Je connais pas bien la manette sans fil. Je joue régulièrement. Je connais bien la manette sans fil. Je joue très souvent aux jeux vidéo. Je connais la manette. Alors, je connais bien. Je connais parfaitement la manette sans fil. On va mettre ça. On va pas trop faire le foufou. Donc, je joue régulièrement. Je joue régulièrement aux jeux vidéo, hein. C'est ça. Bref. Et on va faire sûr. Let's go. C'est parti pour l'histoire. Pour interagir et effectuer l'action indiquée avec le joystick droit. Ah, très bien, ok. Des phases de QTE, très bien. Et on est directement dans le jeu, très bien, donc je peux parler. Essayez d'effectuer l'action lentement afin de mieux appréhender la vitesse d'animation. Ah ouais, d'accord. Très bien. On est directement dans la cinématique. Appuyez sur l'un pour marcher. Ah oui, d'accord. Appuyez sur R2. Pour marcher. Ou utiliser le joystick pour changer de direction. Ah ok. Ok. Ah très bien. Ah d'accord. Je savais pas que c'était comme ça. En vrai je savais pas du tout. D'ailleurs j'avais vu dans pas mal de trailers. Ça datait de 2010. Et je voyais que ce jeu a l'air d'être juste énorme. Et je me dis putain, il faut que j'y joue. Et bah, depuis, bon, j'y ai pas repensé, mais
C'est vrai que quand je l'avais vu à Olchem, voilà, petit placement de produit, même si j'en fais pas du tout, calmez-vous, bah, je me suis dit, bon, 20 euros plus Beyond Two Souls, ça peut être pas mal, hein, sachant qu'avant il coûtait 60 balles, donc voilà. C'était un peu ouf, quoi. C'était 60 balles. Bref, à recommencer. Ah, d'accord, comme ça. Ah oui, il fallait faire le mouvement du joystick, très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben alors, à tout moment, écoutez les pensées de votre personnage en appuyant sur L2. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Ouais, ok. Nous ne jugerons pas sa voix, n'est-ce pas? Ah oui, il faut avancer. Oh, mais quel idiot! Faut que j'avance! Qu'est-ce que je fais? Donc là. Atta! Atta, j'ai vu un Je truc. suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. Ah ouais, en fait, c'est un truc très narratif. Hein. Je savais pas que c'était comme ça, mais c'est vraiment narratif. Évidemment, c'est du 30 FPS, alors c'est pas du 60 parce que. Mais parce que la PS3 ne le faisait pas et ils l'ont pas remodifié, je pense, à mon avis. Et ça, c'est sa femme, Grace. Très bien. Avec lui. Ok. Bah, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, j'ai juste vérifié un truc. Oui, voilà. Je regarde un peu ma caméra de temps en temps parce que des fois, je peux bouger et c'est pas fluide. Bref, pour l'instant, c'est fluide, c'est cool. On va aller à la douche, évidemment. Hop. Mais c'est pas la douche. Si? On va voir l'oiseau. Ah, ok. On va un peu se balader, écoutez, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Des balles, très bien. Pour les actions de rythme et de précision, appuyez sur la touche indiquée dès qu'elle apparaît. Ouais, d'accord. Ouais. Toujours plus. Waouh. Mais quel homme. Ah non, arrête. Ça suffit. J'en veux pas 36 millions de trucs. Hop, ok. Ok. Ouais, tu gères mon pote. Très bien. Au moment où tu reposes. Parce que ça suffit. On a déjà fait deux jonglages. On s'est éclaté. Maintenant, ça suffit. Bon. Apparemment, on doit être dans la chambre de notre fils ou notre fille. Et Grace est partie faire les courses. Si j'ai pas trop suivi. Hein. Je suis un peu à la ramasse des fois. Hein. Même pas que des fois. Donc voilà. Ok, très bien. Là, c'est la douche. On va se brosser les dents. Ok, évidemment. Vie banale, hein. Trop marrant. Non, pas lui. Mais Ah ouais. Tu jouais comme un dératé. Vite. On se calme, on se calme. Ok, très bien. Il remet le truc. Le téléphone portable. Ah non, c'est pas le téléphone portable. Déroulez le mouvement lentement avec le joystick. Aïe! Il s'est coupé. Oh le con. Ah, what the fuck. Pourtant, la PS3 n'a pas été faite en 2006. Pourquoi ils font ça? Ils veulent tester les capacités comme sur la Nintendo Wii ou quoi? Mais c'est pas mal. Ils exploitent un peu tout. Ça, c'est moi qui me rase le matin, évidemment. Et qu'après, chla, il se coupe! Ah non, ça n'a pas marché. Ouais, je sais que t'es beau gosse, voilà. Calme-toi, par contre. Hein. Bon, on va se casser. Ouais, ah, on peut pas bouger clairement la caméra. Tourner la tête pour voir les agents aussi. Je suis où? Qu'est-ce que je fais? Ok. Ah, mets-toi à walper. On sait qu'il a des poils, calmez-vous. Mais
petite séance de douche, vite, faut se nettoyer. Par contre, ça fait du bruit à ma truc, parce que je bouge comme un connard. Mais aïe, quoi, j'ai fait le truc là. Oh, ça suffit. Ok, mais sur le bois calbar. Vie commune, évidemment, un petit bonhomme, tout ça. Oh. Pour changer. Ah, là, ah oh. Hein, quoi, hein, allô, hein. Ah, d'accord. Ah, on peut changer de vue. Ok, waouh. C'est magnifique. Et. Bah oui, on va pisser, tiens, évidemment. On a envie de pisser. J'ai envie de pisser. Alors, je sais pas si c'est un simulateur de vie, mais on va regarder la jaquette un peu. Vos actions, vos décisions, écrivez votre histoire dans deux aventures incroyables. T'inquiète, bon, ça c'est le machin. Heavy Rain, découvrez jusqu'où vous pourrez aller pour sauver un être cher. Explorez plusieurs intrigues dictées par vos choix. Incarnez quatre personnages aux histoires et aux compétences différentes. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ben, cool, nice. Alors, ok, on est dans la chambre. Ouais, c'est notre chambre là-bas. Attends. Oula, la lumière, calme-toi. Ah, c'est pas mal. Alors, on va juste regarder, mais je pense que c'est un gars. Je pense que c'est un garçon qu'ils ont. Pourquoi il y a deux lits? Ah, ils ont une fille et un garçon, je pense. Peut-être ça. Bon, on va avancer. Évidemment, hein. Je devrais m'habiller avant de descendre. Ah oui, bah oui, évidemment. Je suis con, quel idiot bête. On va aller s'habiller, on va aller dans notre champ, on va aller s'habiller. Petite maison, hein, américaine, évidemment, waouh. Et hop, allez, ouvre-moi ça. Prends-toi un petit costard, si t'as un costard, ou une petite chemise, je sais pas. Donc là, les filles, vous pourrez reluquer. Waouh, avec ses belles fesses, tout, je ne sais pas. Même les garçons, hein, si vous êtes homo. Vous pouvez, hein. Vous pouvez. Et je dénigre pas les homosexuels qui aiment vous. Hein. Ok, très bien. Donc voilà, il s'est habillé. On va aller, évidemment, en bas. Voilà, très bien. Ah, c'était la fête de quelqu'un aujourd'hui ou quoi? Ah ouais, si. Les pensées du personnage varient en fonction de la situation, veuillez les consulter régulièrement. Attends. Ah d'accord. Allez, soit le jardin, soit... J'ai un peu de temps avant que Grace et les enfants n'arrivent. Je vais en profiter pour travailler un peu. Ah, les enfants, donc il y a plusieurs enfants. Très bien. Oh, c'est pas mal, hein. Bon, après, s'il faut tout le temps les consulter, machin, tout ça... C'est n'importe quoi, je ne comprends pas... Ok. Ça fait avancer le bordel. Ok, une télémuse. Mais bouge-le pas là, range-le quand même. Je sais que tes enfants devraient le faire, mais bon, hein. Oh, hein. Alors on va aller travailler, on va aller dehors. Jardin. On va aller dans le jardin. Ferme la puerta. Ah d'accord. Ah d'accord, mais c'est tellement bien fait que j'ai l'impression que c'était une cinématique, donc calmez-vous. Putain, ce jeu est énorme en fait. Ouais, j'avais vu qu'il était en fait, c'était énorme. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. Bah ouais, attendez, on va aller. On peut regarder on peut mater la télé, tout ça, mais le jardin, ouais, c'est de l'autre côté évidemment. Quel idiot. Quel idiot. On va aller de l'autre côté. On n'en sait pas trop, hein. On sait pas trop de choses. Ah oui, déjà. Attends. Hop. Voilà, c'est là le jardin, c'est derrière la maison, évidemment. Quel idiot. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Sabre laser. Son fils fait sabre laser. Il manie bien. Hein. Il manie bien. Ok.
Bon. Non, qu'est-ce que tu penses? Café, musique, soif. Tu Musique. pourrais mettre un peu de musique? Ouais, allez, on remet de la musique, tiens. Pour que ce soit cosy, pour qu'elles viennent et tout. Après, ils vont dire, oh, mais c'est pas mal. Allez. Mettons de la musique. Il doit avoir une chaîne ici quelque part, quand même. Notre cher monsieur. C'est entre guillemets un simulateur de vie. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne. Ah non, je vais pas faire du café. Attends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, mais la musique, elle est où? Elle est là, elle est là. La chaîne ifi. Oh! Hé! Hey, oh! Viens par là. Qu'est-ce que tu fais? Chaîne ifi. Voilà. Voilà. Tête mazèque, relaxante, hein, au calme. Elle est pas mal. On va voir Grace. Bientôt midi. Grace et les enfants ne devraient pas tarder. Ah oui, d'accord, c'est que là, il... Et Jason! Très bien. C'est l'anniversaire de Jason, notre fils apparemment. Ah, qu'est-ce que Doucement, vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture? Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux pas rattraper. J'arrive. Ok, ben on va t'aider. Hop. On a fait un petit bisou. Ah, c'est magnifique, c'est trop beau. Et ce jeu va me faire remonter des émotions. Non, mais ce jeu va être énorme. Je le sens. Ils sont tout excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Et toi, ça va bien? T'as réussi à travailler un peu? Ouais. Pas vraiment. J'ai essayé, mais je n'arrivais à rien. J'ai intérêt à faire mieux parce qu'on présente le projet au client le mois prochain. Ah ouais, ok. Ah oui, donc. On va prendre un petit café, hein. J'ai un milliard de choses Ah à merde. préparer. Eh. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me Ouais, donner un coup de main? pas de Il soucis. doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Ok. Pas de problème, je m'en occupe. Attends, attends, attends. Dans le buffet du salon. Attends, 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 c'est où? C'est où? L'aide! À l'aide. Attends, attends, on va aller vite. Ah, j'espère que vous allez apprécier ce let's play. Je commence à l'apprécier de Hey, ouf. Ethan, je croyais que tu t'occupais des assiettes. Mais... Oh, j'avais oublié. Elles sont dans le buffet du salon, c'est ça? Oui, elles n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. Mais attendez, mais je sais pas où c'est! À l'aide! Dans le buffet du salon, mais c'est là le buffet du salon alors. Mais c'est où le buffet du salon, MDR? Merde! Non, non, non. J'ai dit à Grace que je m'occupais des assiettes. Je jouerai avec les enfants plus tard. Ouais, non, mais... Ah oui, ils sont là. Attends. Merde, si on prend 10 000 ans à aller chercher des assiettes. Moi, je suis quelqu'un qui... Mais, arrête! Quoi? Hein? Allô? Oh là là, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ils sont où mais le buffet du salon, il... Attends. Ah non! Oh le salaud! Arrête! Non! Mais je cherche les assiettes, justement. Merde. Mais il est où le buffet du salon, lol?
Ah, voilà. Bah attendez, mais c'est caché dans un truc. Se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. Ah, voilà. Putain, mais je me disons à faire ça. Service que nous a offert ma mère. Fais-y attention, d'accord ? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. Voilà. Hé, hey, Ethan, t'avais dit que tu ferais attention. Désolé, je vais les poser plus doucement. Mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, ok. Il faut les faire doucement, ok. Ethan ! Ouais, mais c'est bon, calme-toi ! Je fais attention. Putain, mais j'ai... Voilà. Putain, quel idiot bête. Qu'est-ce que je fais ? Ah là là. J'irais bien jouer dehors avec les enfants. Attends. J'ai soif. J'ai soif. Il doit y avoir du jus d'orange dans le frigo. Non, on va faire un... Chaque jour qui passe, je la trouve plus jolie. Ethan. Oh, c'est mignon. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, Madame Mars. Mais je vous trouve très séduisante. Vous n'êtes pas mal non plus, Monsieur Mars. C'est pas mal. C'est à quoi tu penses, Ethan? Non, calmez-vous. C'est vraiment pas le moment. Dommage. Il faut vraiment que je m'occupe de la fête. On reprendra cette petite discussion ce soir. Trop bien. Alors, ami. Les invités de Jason arrivent quand? Vers 2h. J'espère arriver à garder la situation sous contrôle. Pas comme l'année dernière. Ah bon? Allez, quoi? Allô, vite. Pourquoi j'arrive pas à faire le truc que je veux faire? Ok. On va aller dehors, tiens. Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après, il faut qu'on déjeune. Les invités de Jason vont arriver. Ok, promis, maman. Qui veut commencer? Moi d'abord. Du calme, on va faire chacun à son tour. Tournez votre tête avec le joystick. Moi d'abord. Non, moi d'abord. C'est Jason, ça. Il n'y a pas intérêt à faire le con. Ok, chaud. C'est parti! Je savais pas qui c'était. Attends. Calmez-vous. Ah mais je veux... Allez viens mon pote. Mais je savais pas qui c'était. C'est mon tour maintenant. Allez viens Jason, on va faire l'hélicoptère. J'aurais dû recommencer par Jason, mais... Allez papa, montre-nous comment tu fais. Montre-nous tes gros muscles. Ma grande masse. Attention, accrochez-vous. Gros muscle. Oh, on a mangé des œufs pendant 500 ans. Il n'en peut plus. Très bien. Oh putain, ah, y a de l'action. Cette fois, t'es foutu. Tu vas payer pour tous tes crimes, capitaine papa. Cette fois, je crois que je vais te prier. Allez, Jason. Laisse tomber, je vais t'embrocher. Attention.
Hop, coupez la tête. Ah non, calmez-vous. Ta ta ta. Farcita avec moi. Pas du tout. C'est prêt les enfants. Vous arrivez. Oh vite. Oh vite. Bref, calme. On n'a pas le temps de répit, hein. Putain. Oh non. Eh hey. Oh, descends. On va manger, faut manger. Sean, le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Ah. Alors, il est où? Notre cher Sean. Donc, il y a deux fils. Je sais. Non, ils sont pas jumeaux. Parce que sinon, ça aurait été l'anniversaire de le Sean. Ok. Donc, Jason s'essuie avec la croix. Alors, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Sean? Qu'est-ce qui se passe? C'est Merlin. Il est mort. Il est mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne le veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais. Jason. Jason. Il faut le rattraper. Jason. 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 Attends. Jason. Faut le rattraper, faut le rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il va trop vite là, il va loin. Jason. Jason, tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde. Dis papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Super. Hé, hey, mon grand, comment tu t'appelles? Jason. Quel ballon te ferait plaisir, Jason? Le rouge. Le voilà. Ça fait $2, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à lapin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Monsieur, vous me devez $2. Non mais attendez, mais il va se barrer l'autre. Attends. Vite. Dépêche-toi. D'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Oui, Jason. Il était là il y a une seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu.
Disparu? Comment ça, disparu? Ne bouge pas d'ici. Je vais te chercher et je reviens. Jason! Putain, elle est partie où? Jason! Merde. Jason! C'est vrai. Le clown. Il a... Putain, je sais pas. Où est-ce qu'il est passé? Merde. Putain. Oh merde, on est dans le caca. Oh là là. Je vais le retrouver. Je vais forcément. Attends. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Ah non, pas de regret. Ballon rouge. Un ballon rouge. La dernière fois que je l'ai vu, il tenait un ballon rouge. Il s'est perdu. Il se fait emporter par la foule. Merde, je vais le perdre. Non. Le ballon rouge. Il faut que je suive le ballon rouge. Le ballon rouge. Il faut que je suive le ballon rouge. Oh là là, merde. Oh là là. Le ballon rouge. On va perdre. Je suive le ballon rouge. Le ballon rouge. Il faut que je suive. Voilà. Là-bas, vite. Vite, là-bas. Vite, là-bas. Jason, putain. Le ballon rouge. Ah! Putain, ah, mais dégagez! Hey, attention! Merde! Jason!
Sean. Salut, papa. Merde, mais quel idiot! J'aurais pu faire plus. Putain, mais quel idiot de... On dirait qu'il n'a pas envie de parler. Il pleut à verse. Ça fait des semaines que ça dure. Ok, voilà. Attends. Voilà la ceinture. c'est chaud quand même. Voilà. Voilà. J'aurais dû lui parler. Ah, mais quel idiot. Et oui, ils sont seuls. J'ai noté les choses à ne pas oublier sur le tableau dans la cuisine. Putain. Ça te dirait qu'on joue à quelque chose ensemble ? Je préfère regarder la télévision. Ok. Goûter ? C'est l'heure du goûter. Sean a peut-être faim. Mais donc... Donc on a tout fait foirer, il est devenu célibataire, il est seul. Oh putain. Okay. Alors 18h goûter, nanana, coucher. Mais je me demande si... Si on avait fait une gaffe, je pense qu'on l'a... Là c'est pas Life is Strange. Hein. Là c'est pas Life is Strange, les gars. C'est... Voilà. On va secouer vite. Ah non. Mais prends pas du jus d'orange, qu'est-ce que tu fais? Ton gamin il a faim. Bon, tu veux qu'on parle un peu ? Parler de quoi ? Je ne sais pas, de toi, de tes copains. Comment ça va ? Rien de spécial. Papa, s'il te plaît, ah. Tu es devant la télé. T'es tellement bien fait, quoi. Excuse-moi. Il reste encore du temps. On verra pour ses devoirs plus tard. Bon. Non, mais c'est pas ça que je veux. OK. Sean n'a pas encore fait ses devoirs. Grace à la garde de Sean ce week-end. Je crois qu'il est impatient de retourner chez sa mère.
Putain, mais c'est affreux. Hein. Qu'est-ce qu'on va. Ce qu'on va. Ah ouais, putain. Alors, attends. Snack, dîner. Et il est. Il va être à peine 6h. Il est 6h30. Dix-huit heures de voir. La nuit tombe. Je devrais allumer la lumière. Merde, non, papa, non. Papa, pourquoi tu éteins? C'est mon dessin animé préféré, s'il te plaît, rallume. Merde, oui. D'accord, d'accord, excuse-moi. Pourquoi j'ai éteint? Quel idiot! Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait des conneries, putain! Mais non! Bon, bah, si tu veux, mais... Pose-le, voilà. Et alors, pourquoi il referme à chaque fois? Quel idiot. Non, mais éteins, qu'est-ce que tu fais? Je fais n'importe quoi. Hein. Putain, mais de lui à bouffer. Putain, mais qu'est-ce que. Tu peux ouvrir le frigo, mais tu peux pas. Putain, mais arrête. Arrête. C'est là où j'aimerais tout recommencer, quoi. Putain, mais. Attends, mais faut dîner, mais what the fuck. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Non, merci, j'ai pas encore faim. Ok, bon, je suis un peu désemparé là. Putain, mais quel idiot bête! Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît, papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On les fera plus tard, d'accord? L'aide! Plus tard. On dirait que tu as attrapé froid. Je vais voir si je trouve un médicament pour te soigner ça. Ouais, putain, on y voit rien. Putain, on y voit rien. Ah mais non, fais quoi? Putain, on y voit rien, voilà. Putain. Putain, c'est chaud en fait. C'est chaud, je pensais pas que c'était aussi chaud. Bon alors, le médicament. Voilà. Non mais, oh, sors maintenant. Voilà, mais tu sors maintenant. Voilà. Ouais, mais en même temps, faut que je... Attends, j'arrive pas à changer de vue, tout ça. C'est chaud. Attends, on va la descendre, on va lui donner le... Le médoc. Tiens, prends ça. Voilà.
Ça devrait aller mieux. Merci, papa. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que ta maîtresse est sympa? Tout va bien, papa. Dîner? C'est l'heure de dîner. Je devrais préparer quelque chose pour Sean. Ah, mais ça fait n'importe quoi. Mais, what? La pendule? Oh putain, merde. Après tout, s'il ne réclame pas, c'est certainement qu'il n'a pas faim. Non mais non, mais... Mais quel con. Qu'est-ce que je fais? Je fais nimp, les gars, je fais nimp. Vite. Merde, mais qu'est-ce que je fais? Putain, mais merde, comment on fait? Il va être 7h. Mais on doit lui préparer à dîner, là, merde. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Je veux bien, je commence à avoir très faim. Bon, je vais voir ce que je peux te préparer. Je t'appelle quand c'est prêt. Voilà. Ah mais non. Voilà. Attends, attends. On va prendre la pizza. Il va kiffer. Voilà. J'ai du mal hein, quand même. Hein. On va le mettre dans le micro-ondes, évidemment. On va dans le micro-ondes. Voilà, c'est très bien. Ok. Voilà. Coupe, 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 coupe. Allez, appelle-le. Tu peux venir, Sean? Le repas est prêt. J'arrive. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors. Je veux voir, attendez. Pensez, nanana, plusieurs fois, très bien. Donc là. Attends, ah oui, attends, on va. Je la connais, mais pas autant. Non.
Ah! Non. On joue du machin. Voilà. Attends. On va s'asseoir. Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Je suis pas encore fatigué. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Ça ne serait pas raisonnable, Sean. Tu as école demain. Il faut que tu ailles te coucher. D'accord, j'y vais. Tu viens avec moi? Brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama. Et je te rejoins. Alors, je sais pas si j'ai fait la bon truc, mais... Quel est rien ? Il est 8 heures passées. Merde. C'est chaud parce qu'en fait, il faut alterner. On va monter. C'est chaud. Ok. C'est la chambre de qui ça? Et je le rejoins. Ok. Voilà. Putain. C'est tendu. Bonne nuit, Sean. Mon nounours. J'ai pas mon nounours, papa. Tu l'as sûrement laissé quelque part dans la maison. Tu n'as pas une idée où il peut être? Non, papa. S'il te plaît, je peux pas dormir sans lui. Ok. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la maison pour voir si je le trouve, ok? On va le regarder. Alors on va chercher le nounours. Ça fait presque une heure qu'on tourne, mais j'aimerais savoir quand ça s'arrête. Nounours. Sean veut son nounours. Il doit encore l'avoir laissé traîner quelque part dans la maison. Ah, il est là. Voilà. Très bien. Là, on va aller lui donner. Je sais pas si c'était normal que... Pas que... leur fils meurt le jour de ton anniversaire. Attends, hop. Merci, papa. Voilà. C'est très bien. Bonne nuit, Sean. Bonne nuit. Papa ? Oui ? Pourquoi est-ce que t'as l'air malheureux ? Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps. Pour redevenir comme avant. Tu sais, c'est pas de ta faute ce qui est arrivé à Jason. Bonne nuit, Sean. Putain, c'est chaud quand même.
Voilà, on va le border. C'est vrai que je sais pas, faut que je regarde sur internet si c'était bien comme ça ou quoi, mais c'est quand même. Voilà, je vais faire un petit bisou. Un petit bisou. Un petit baiser. Ouais, non, mais c'est tragique. Hein. Ça me fait de la peine. Quoi? Rappel, appuyez sur le pavé pour accéder à l'écran des commandes. Pourquoi il y a un gars qui est devant nous là? Alors, j'ai redémarré le jeu et le chargement n'a pas chargé. Et du coup, je ne sais pas si je vais cliquer sur Hotel Sordide. Vous le saurez peut-être plus tard. Alors, ah oui, c'est 14h29. Donc, normalement, ça aurait été fait il y a bien longtemps. Bref, ça n'a pas été fait. Et on va le faire après, dans le prochain épisode de Heavy Rain. Mais on va pas le faire pour l'instant. Hein. On va le faire dans le prochain épisode. Je vais regarder un peu le menu. C'est vrai qu'on n'y a pas été. Il y a des bonus. Aucun bonus débloqué. Ok, donc apparemment l'histoire, c'est comme ça qu'a été écrite. Hein. J'ai regardé sur jeuxvideo.com, dans les astuces et solus. Je me suis pas spoilé. Mais voilà, c'est donc c'était bel et bien normal. Après, c'est juste pour la fin du jeu que ça peut changer nos actions. Très bien. Ok. Chapitre. Prologue. Centrale. Et on a celui-là à faire. Voilà. Et donc, on va le faire dans le prochain épisode. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait à peu près une heure qu'on enregistre cette vidéo. Et ça fait quand même assez long. Donc. Et bah du coup, on va se laisser là, j'espère que ça vous aura plu, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo. Évidemment, n'hésitez pas non plus à aller vous abonner à la chaîne Full Jojo, évidemment. Et voilà, voilà. Après, dites-moi si le format vous plaît. Puis si c'est le cas, voilà, j'en ferai d'autres, évidemment, comme ça. Voilà, voilà. Allez, ciao, et à bientôt. Bye bye. C'était Full Jojo. Et la prochaine fois, on va aller dans l'hôtel sordide. Et donc pour faire un petit récapitulatif de l'histoire, eh ben on est seul et on est avec notre fils Sean. On avait deux fils, mais le jour de son anniversaire, le fils est mort parce que il a percuté une voiture en traversant la route. Et voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et on est devenu célibataire évidemment parce que, enfin ils sont divorcés du coup parce que évidemment la mère a dû dire putain mais. Tu as tué Sean, tu devais le sauver, enfin tu devais le retrouver dans le magasin quoi. Voilà, bref. Bref, voilà, on est maintenant dans l'hôtel sordide, je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas lancé le truc parce que j'ai dû redémarrer ma PlayStation 4, hein, pour vous dire. Parce que ça a bugué, je pense. Ça mettait 10 ans à s'allumer, donc du coup, voilà. Bref, on va se laisser là, c'était pour le jeu, rendez-vous pour l'épisode 2 de Heavy Rain. J'espère que vous serez toujours là et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.